Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis le Dr Moupier Omer Honoré, enseignant de didactique de mathématiques dans les ENIEGE, c'est-à-dire ces écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général. Ce cours de didactique de mathématiques à l'école primaire s'adresse aux élèves du niveau baccalauréat, mais les élèves du niveau probatoire et niveau BEPC peuvent également en tirer un grand profit. Au dernier cours, nous avons donné ce devoir à faire. Ce devoir se résumait en une question: quelles sont les principales méthodes de l'enseignement des activités numériques à l'école primaire? Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu, et il y a également cette autre question qui devrait permettre à chacun d'entre vous de se souvenir de tout ce que nous avons fait la dernière fois. C'était toujours de citer les différentes méthodes de l'enseignement, apprentissage des mathématiques à l'école primaire. Nous avons dit, depuis le dernier cours, qu'il y avait essentiellement trois méthodes: la méthode intuitive, la méthode inductive, la méthode déductive et la méthode analytique. Aujourd'hui, notre leçon porte sur la notion de dizaine et la méthodologie spécifique d'enseignement-apprentissage des séries des nombres. Pour le plan, nous allons commencer par des objectifs, des prérequis, une situation didactique qui nous permettra de mener des activités d'apprentissage. À la fin, nous allons faire le point, un résumé sur ce qu'il faut véritablement retenir. Et à partir de l'essentiel de la leçon, nous allons déployer nos connaissances nouvellement acquises dans un exercice d'application. Pour clôturer cette partie, nous allons vous donner un devoir à faire à la maison. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui est d'expliquer la notion de dizaine, de présenter les étapes de l'enseignement des séries de nombres. Pour aborder cette leçon, il est nécessaire que vous ayez véritablement maîtrisé les méthodes d'enseignement des activités sur les activités numériques que nous avons bien évidemment dispensées la dernière fois. Nous avons parlé de trois principales méthodes: la méthode inductive qui consiste à aller du particulier au général, du simple au complexe, du concret à l'abstrait, et la méthode déductive qui permet d'aller de l'abstrait au concret, du général au particulier, et enfin la méthode
inférentielle, qui est un peu assimilée à la méthode analytique. Aujourd'hui, nous allons aborder notre leçon à partir d'une situation problème, qui est celui qui est celle de Nana. Cette situation nous dit que Nana est un jeune enseignant nouvellement affecté dans la ville de Bafoussam. Il voudrait préparer une leçon de mathématiques sur les dizaines et les séries de nombres. Il est embarrassé car il ne maîtrise pas les étapes de la méthodologie spécifique d'enseignement des nombres. Cet enseignant, Nana, qui est de ton quartier, te rencontre pour solliciter une aide. Vous devez, pour l'aider, expliquer la notion de dizaine et décrire les étapes de la méthodologie de l'enseignement des nombres. Présenter le canevas d'une leçon sur les nombres. Donc, ce qu'il nous est demandé clairement de faire, c'est d'expliquer la notion de dizaine et de décrire les étapes de la méthodologie d'enseignement-apprentissage des nombres, de présenter le canevas d'une leçon sur les nombres. Pour résoudre cette situation didactique, nous allons commencer par la première question qui est relative à la formation des dizaines. Donc, la dizaine forme un groupe de 10 unités. Ici, on groupe les objets par 10. Si nous prenons les bâtonnets, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 bâtonnets. Voilà, une dizaine. On a fait un groupe de 10. Si ce sont des rangs, on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous fait encore un autre groupe de 10. Donc, la dizaine est une unité de comptage. Donc, ça, c'est un groupe de 10, parce que nous pouvons également en avoir. Voilà, un deuxième groupe de 10. Ici aussi, on peut avoir un autre groupe de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça forme encore une autre unité. Donc, ici, nous avons deux unités de 10. Deux groupes de 10. Exemple, donc, une dizaine. Ça, c'est une dizaine. Voilà. Les deux forment donc deux dizaines. Voilà. Ceci forme deux dizaines également. On peut en former encore pour un troisième. Voilà. Voilà encore. Ça fait trois dizaines. Ainsi de suite, donc, on peut regrouper les objets. On peut regrouper des objets en groupe de 10. On peut regrouper le matériel didactique en groupe de 10. Et chaque groupe formera une dizaine. La notion de dizaine permet de former les nombres de 10 jusqu'à plus de 100. Le maître dit par exemple, je prends une dizaine et je lui ajoute 2 unités. Voici une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà un groupe de 10. Je lui ajoute une unité. Vous voyez que ça va me donner 11. Ça fait donc 10 plus, ça fait une dizaine plus une unité. Voilà, ça fait donc 11. Les unités se placent toujours au premier rang à droite et la dizaine au deuxième rang. Dans le nouveau nombre 10 que nous obtenons par exemple, ça nous donne 12. 12. Donc les unités se placent toujours au premier rang à droite et la dizaine au deuxième rang. Exemple, quand nous avons 16, par exemple, nous avons 16 là. Alors la dizaine se place toujours au premier rang. Donc ça fait une dizaine. Une dizaine qui est au deuxième rang et 6 unités qui est au premier rang. Premier rang, deuxième rang. Donc, les unités se placent toujours au premier rang et à droite et la dizaine au deuxième rang.
Pour l'enseignement des grands nombres, c'est-à-dire à partir de 1000, on utilise le tableau des classes des nombres. J'utilise le tableau des classes des nombres. Il y a la classe des unités simples, il y a la classe des unités de 1000, il y a la classe des millions et la classe des milliards. Donc, ce tableau se présente sous cette forme. Là, nous avons, donc ici, ça fait quatre classes. Classe des unités simples, classe des 1000, classe des millions, classe des milliards. Et chaque classe peut être donc subdivisée en unités, en dizaines et centaines d'unités, dizaines, centaines, unités, dizaines, centaines, unités, dizaines et centaines. Voilà, chaque classe peut être subdivisée ainsi. Voilà. Voilà donc comment cette classe, ces quatre grandes classes peuvent nous permettre d'étudier les grands nombres. Chaque classe comporte donc trois colonnes, unité, dizaine et centaine. Donc, voici les quatre classes. Classe des unités simples, classe des 1000, classe des millions, classe des milliards. Chaque classe est divisée donc en unité, en dizaine et en centaine. Pour la classe des unités simples, on a unité, dizaine, centaine. Pour la classe des milliards, on a unité des milliers. Donc, vous voyez, unité des mille, dizaine des mille, centaine des mille. Unité des millions, dizaine des millions, centaine des millions. Unité des milliards, dizaine des milliards et centaine de milliards. L'écriture de ces grands nombres se fait de la manière suivante. Après chaque groupe de trois chiffres, on crée un espace avant d'écrire un autre groupe de chiffres de la droite vers la gauche. Je prends ce nombre au hasard. Vous voyez que, voilà, 3, et je laisse un petit espace, je mets 3, peut-être 2, peut-être 3 également. Vous voyez qu'il y a un petit espace ici. Donc, ça montre dans les différentes classes. Leur écriture se fera aussi par groupe de 3, mais de la gauche vers la droite, c'est-à-dire de la grande classe vers la petite classe. Exemple, nous avons 75 602. Vous voyez, ça fait 75 602. Vous voyez que nous avons ici 3. Les zéros remplacent les unités manquantes. Les zéros remplacent les unités manquantes. Donc, si nous avons 29 600, nous avons 29 600, on aura donc 29 en millions, 9, 2, 600, vous voyez, et les unités manquantes, on les remplace par 0. Donc, quand on dit 29 millions, 600, ça veut dire que c'est dans la classe des millions, et 600, c'est dans la classe des unités simples. Les classes qui manquantes, on les appelle, donc on remplace par 0. Pour les nombres décimaux, on ajoute à ces classes de nombres simples les colonnes des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Alors c'est ici donc, on a les dixièmes, centièmes et millièmes. Vous voyez, donc on va ajouter à ces... Ça c'est la partie décimale d'un nombre. Ça représente la partie décimale d'un nombre. Voilà. Et ça peut donc que si je dois écrire 0,825, ça me fera donc ici 0,825. Ou 825 millièmes, tout simplement. Comme ça qu'on peut également le lire. Donc, globalement, le tableau se présente comme suit, comme ce que nous avons déjà montré ici au tableau. Voilà donc la classe des unités simples, la classe des 1000, la classe des millions et la classe des milliards.
Donc, nous avons par exemple ce chiffre-ci, 310 634 982 123. 310 634 982 123. Et ici en bas, nous avons 63 millions, voilà, 0,90, donc 63 090 025. Vous voyez que c'est la classe des 1000, et puis 25, dans la classe des unités simples. Et la partie donc décimale, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, la classe des dixièmes, vous voyez, ça c'est les unités simples, ça continue là, et on a dixième, centième et millième qui représentent la partie décimale. Donc, si nous avons 5,02, on peut également le lire 5 unités 2 centièmes. 5 unités 2 centièmes. Donc, 62,134, on peut le lire 62 unités, parce que nous sommes dans la classe des unités simples, 62 unités, 134 millièmes. 134 millièmes. Donc, si on dit 62 unités, 134 millièmes, ça veut dire que c'est 162,134. Les séries des nombres sont de 0 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20, de 21 à 29, et 30 à 70, et de 70 à 100. Voilà les séries des nombres de 0 à 5, de 6 à 10, de 11 à 15, de 16 à 20. Ouais, donc les séries là se prennent en tranches de 5, 5 jusqu'à 20. À partir de 20, maintenant on a de 21 à 29 et de 30 à 70. L'apprentissage, enseignement de ces séries respecte les étapes suivantes. Premièrement, c'est la manipulation. Donc la première chose à faire, après bien évidemment, la fiche que nous avons vue à la dernière leçon, vous voyez que lorsque nous arrivons à l'étape analyse de la situation, puisque nous allons davantage décrire ce qui va se passer à l'étape recherche ou analyse, alors c'est la manipulation des objets réels ou phase concrète. Donc, la manipulation des objets réels, voilà, on doit manipuler les objets ici. Ou bien la phase concrète avec ces objets que l'on doit manipuler, ça peut être les cailloux, ça peut être les bâtonnets, ça peut être des capsules, vous voyez, qu'on va manipuler pour apprendre ces séries de nombres. Et cette manipulation-là doit être faite d'abord de façon individuelle. Chaque enfant essaye de compter individuellement. Vous voyez la nécessité d'individualiser les enseignements, que chaque personne manipule. Nous l'avons dit dans les cours précédents que rien n'entre dans le cerveau sans passer par les sens. Donc, c'est quand l'enfant touche qu'il comprend. C'est quand il voit qu'il comprend de quoi il est question. C'est quand il sent même l'odeur qu'il retient mieux de quoi il est question. Donc, cette manipulation, nous voyons qu'elle peut se faire de deux façons. Elle peut être d'abord individuelle, c'est-à-dire que chaque enfant manipule et ensuite, ils peuvent se mettre ensemble pour effectuer ces manipulations. Le rapprochement des objets avec des nombres abstraits, chiffres. Par exemple, lorsqu'on dit 5, il faut faire 5 bâtonnets. Donc 5, par exemple, là, on a ici, dans cette manipulation, on a fait un rapprochement. Voilà. Rapprochement. On rapproche. C'est-à-dire pour leur dire que lorsqu'on dit 2, ça peut s'agir de 2 bâtonnets. Lorsqu'on dit 3, il s'agit de 3 bâtonnets. Lorsqu'on dit 4, il s'agit de 4 bâtonnets. Vous voyez, il faut rapprocher les objets avec les chiffres. Donc, à ce niveau, on place côte à côte les objets et les chiffres qui les concrétisent. Donc, ça, si on a dit 5 crayons, vous voyez, on met 5 crayons et en bas, on écrit également 5 crayons.
voyez, ça peut être 5 rangs. Vous voyez là. Et ici, on va dire que ceci correspond à 5. Vous voyez le rapprochement entre les objets et les chiffres. Donc, lorsqu'on a 3, nous l'avons dit des bâtonnets, donc ce que les chiffres là traduisent une réalité concrète. C'est ce que nous devons faire comprendre à l'enfant ici. Dans l'écriture des nombres mathématiques, l'enfant apprend à écrire. Donc, vous voyez que après le rapprochement, on va écrire. On va écrire. Donc, on manipule d'abord les objets, ce sont les bâtonnets, ce sont les cailloux. On fait un rapprochement entre ces objets et la réalité concrète. Et ensuite, on passe à l'écriture de ces nombres. Donc, on épuise toutes les combinaisons possibles pour obtenir le nombre étudié. Les combinaisons, quand nous parlons des combinaisons ici, les combinaisons peuvent se faire par composition ou par décomposition du nombre étudié. Prenons l'exemple de 5. Vous voyez, quand on parle des combinaisons, alors on a 5 est égal à 4 plus 1. On a 5 qui est égal à 3 plus 2. On a 5 qui est égal à 2 plus 3. Vous voyez? Donc, toutes les combinaisons possibles peuvent être juste utilisées ici pour que l'enfant puisse comprendre la signification de 5. Et même les 3 ont un avantage de composer. Ça fait 1 plus 2 plus 2. Ou bien, c'est encore 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Vous voyez, ça fait toujours 5. Ça donne toujours 5. Donc, on peut ainsi composer, on peut aussi décomposer. La décomposition, c'est simplement dans le sens inverse. Donc ici, si nous décomposons, alors nous pouvons aussi composer. 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. 3 plus 2 est égal à 5. 4 plus 1 est égal à 5. Donc nous composons les objets pour montrer qu'en les associant, on obtient toujours le même chiffre. Donc, on agira de la même façon avec tous les nombres inférieurs ou égal à 10. Maintenant, quel est le canevas d'une fiche sur les activités numériques? Le canevas d'une fiche sur les activités numériques comporte essentiellement les parties suivantes. Nous avons d'abord l'en-tête de la fiche que nous connaissons déjà. Après l'en-tête de la fiche, nous avons dit quand on commençait par l'éveil des automatismes. C'est, l'éveil des automatismes est appelé également calcul mental. Nous l'avons dit que ça nous permet de faire des petites opérations simples qui peuvent aider l'enfant à aller plus vite dans ses calculs. Après l'éveil des automatismes, nous passons à la révision sous forme de petits problèmes. La révision ici peut être une révision systématique. Vous voyez, c'est-à-dire que qui porte sur la leçon précédente ou une révision fonctionnelle. Là, c'est une révision qui porte sur des notions qui peuvent nous permettre d'aborder la leçon du jour. Donc, la connaissance est nécessaire, la compréhension est nécessaire pour aborder la leçon du jour. Donc, après, nous continuons donc avec la leçon proprement dite, pas la manipulation comme nous avons dit, la schématisation. Vous voyez, ça c'est déjà la partie analyse, parce que après le calcul mental, l'éveil des automatismes, il y a une situation problème. De cette situation problème, maintenant, nous passons à la manipulation, à la schématisation, où il y a les compositions, les décompositions et tout, à la notation mathématique, comment ça s'écrit. Et à la fin, c'est l'évaluation. Et là, la fiche, notre fiche de préparation s'arrête à l'évaluation. Ici, l'enseignant propose divers types d'exercices aux élèves. Il y en a divers types. Vous allez constater généralement au niveau 1, c'est que l'on peut faire des bulles, vous voyez, avec des objets, où on a, par exemple, on demande à l'élève d'écrire le chiffre correspondant. D'écrire ici le chiffre correspondant. Ou bien, on peut également faire ces bulles, et puis, on écrit 3, et l'enfant va compléter les objets pour que ça atteigne effectivement le chiffre. Donc,
Cela permet de faire des manipulations, des schématisations dans des dessins variés. Alors, pour la fiche des activités numériques, il faut mettre un accent sur des exercices de réflexion. Faire résoudre par les élèves de petits problèmes correspondant à la notation mathématique. Donc, vous voyez, c'est ce que nous donnons ici. Vous voyez, en écrivant ici, il va pouvoir lire et écrire exactement comment s'écrit 2 mathématiquement. C'est-à-dire, l'objet qui est 2, ça s'écrit comment? Donc, il y a l'exercice dans les réflexions, l'exercice que l'enfant doit faire dans son cahier à la maison, sont des devoirs. Donc, faire écrire le nombre étudié sur une ligne. Vous voyez? Donc, toute une ligne, trace une ligne. Et c'est sur cette ligne que l'enfant va écrire des chiffres. Voilà. Là, par exemple, écrit 1. 1, 1, l'enfant s'exerce donc à écrire le 1 sur toute la ligne. Ça peut être 3, ça peut être 5, selon le cas, ça dépend de la leçon du jour. Alors, qu'est-ce que nous pouvons nous dire en résumé? Que la formation des dizaines, la dizaine forme un groupe de 10 unités. Ici, on groupe les objets par 10. Vous voyez, nous l'avons dit, qu'on groupe les objets par 10, la dizaine forme une unité. Donc, nous avons ici une dizaine et nous avons ici 4 unités. Une dizaine et 4 unités, ça nous donne 14. Donc, quand on écrit 14, 4 représente l'unité, 1 représente la dizaine. Là, on peut additionner aussi, quand on verra dans les techniques, vous voyez que 10, voilà, plus peut-être ceci, là. Alors, l'enfant aura ici une dizaine, ça va faire 2 dizaines, 4 unités, et ici 4 unités, ça fait 8 unités. Ça fait 8 unités. Donc, voilà pourquoi on fait des regroupements. Donc, quand il prend 1 dizaine et je lui ajoute 2 unités, j'obtiens à nouveau un nombre 10 plus 2 qui est 12. Ce que nous avons fait là, 1 dizaine, 4 unités, ça va faire 1 dizaine et 4 unités, ça fait donc 14. En ce qui est de la méthodologie d'enseignement apprentissage des nombres, nous l'avons dit que pour cette méthodologie, nous mettons un accent sur la manipulation des objets. Donc, nous nous situons exactement à l'étape analyse. Il faut bien comprendre, nous sommes à l'étape analyse. À l'étape analyse, après l'éveil des automatismes, après l'éveil des automatismes, la révision qui peut être fonctionnelle ou systématique, nous passons à la situation problème. Et après la situation problème, nous passons à l'analyse, qui est la partie fondamentale, où l'enfant va donc manipuler, faire un rapprochement entre. Il manipule quoi? Il manipule les objets réels. C'est la phase concrète. Après cette manipulation, il fait un rapprochement entre l'objet et les nombres. L'écriture de ces nombres en chiffres et en lettres, côte à côte. La combinaison peut maintenant se faire par composition ou décomposition. Donc, vous voyez que c'est la troisième étape qui est la combinaison, qui peut être en composition ou décomposition. Donc, la fiche va donc comprendre, comme nous l'avons dit, l'éveil des automatismes, la révision sous forme de problème, la leçon proprement dite de la journée qui porte surtout sur l'étape analyse qui est la manipulation, la schématisation, la notation mathématique et l'évaluation. Alors, comme exercice d'application, vous voulez enseigner le chiffre 5 dans une classe de la CIL. Comment allez-vous procéder? Vous voulez enseigner le chiffre 5 dans une classe de la CIL. Comment allez-vous procéder? Il vous est donc demandé de dire comment procéder pour enseigner le chiffre 5. Donc, nous insistons surtout sur la partie analyse. On va donc manipuler plusieurs objets avec des enfants, 5 cahiers, 5 billes, 5 craies, 5 ardoises, tout ce qui est enceinte. Et après, on va faire la schématisation. Donc, comment est-ce qu'on écrit 5? On va le rapprocher 5 objets avec le chiffre 5.
l'écriture des nombres du chiffre sain ou schématisation du chiffre sain, la combinaison des nombres pour obtenir 5. Exemple, 2 plus 3 égale à 5, 4 plus 1 égale à 5, vous manipulez ainsi avec les objets. Alors, le devoir pour la prochaine fois, vous êtes admis en stage pré-emploi dans une école privée de renom. Pour votre test, on vous demande d'enseigner le chiffre 8 conformément aux étapes de l'enseignement des nombres. Quelles sont les étapes que vous devez suivre? Voilà, donc donnez les étapes à suivre pour l'enseignement du chiffre 8. Voilà les références, le curriculum de l'enseignement primaire et les programmes officiels. La prochaine leçon portera sur la méthodologie de l'enseignement apprentissage des différentes techniques opératoires des 4 opérations de base. On a tege majang mategendom, manetambia ninyane njobyayen, ngani bana mategemot, ngani lakiri wategendong, esetina bia dinkido, manetambia ninyane njobyayen, tamtama mote tamzabike, tamtama tonge tamzabike, tamtama mote tamzabike, manetambia ninyane njobyayen.